le 28 juin dernier, parce que le 24 juin, c'est le bon jour anniversaire de Souka, na Sena Moy. Kasi Bolandi ba obsèque ndenge to lakisa kibino et loko moko etiki biso eza que mukolo ya suka ya mikolo na ina sina moy asurulaki na pasteur Marc Tumba o azali moko ya ba encadreur na ye Stefi azalaka catholique kasi azalaki pe attaché na basali ya nzambe o babanda koyoka nzambe na kati na mozindo penza kombo na ye pasteur Marc Tumba, tous les gens qui ont été pour témoigner bongo gens qui rencontrent la bongo ya Souka, na Stefi Malonga. Mbote na yo, pasteur Marc Tumba. Mbote maman Stephen Fanny. Tous les gens qui ont été na Vision FM Télévision pour témoigner na tina Stefi Malonga. En tout cas, ils sont allés partager na ko yamba nebo yambi nga na plateau na bino. Nazana est mon casse-pied à quoi la bosse à l'issue de nos quatre naouis. Stéphane Zalaki Moko, ou à Bandai Kozoali, le Banzam, et Painayo. Vous pouvez témoigner le lingue Kani à quoi encadrer Painayo? Oui, Ndenge Nalobaki Ango, c'est l'équipe. Azalaki Moko, Yabasero, Azalaki un peu discipliné. Dans le lingue, à ceux qui pasteur à lobby. C'est directement à tous à pasteur Azali Koloba. Parce que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont comprendre que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de sur place, mais na sima asali ne mais c'était fille éducation spirituelle na sima ya kokuta na ngai na ye. Témoignage à malam ou na koki komo loba la minute ou pour na serre Stéphie azamoutou mouto azanga ba défaut azate mouto azangi ba faiblesse azate mouto azangi ba faiblesse azate mouto nyon so azana faiblesse azana ba défaut mais azana ba qualité mais la plupart oui ça la mouto ezakande ce qui ba qualité zali ko dominer sur le faiblesse. Nous avons une qualité qui est dominée sur le faiblesse. Au solo, il y a des gens. Des fois, ça ressemble comme si on quitté. Mais, na sima mikolo, Par rapport à Mbotamanae, parce que Mbotamanae est commémoré le 24 juin dernier. Et pas Yuapi a Ebisakayo Makamba Motuya, tu es au Kabulango? Oui, et le Koya Motuya, Isaki Keno a Ebisakinga Mukolana le 24 juin 2020. D'abord, on a Pokwa, à le 23, quoi Tindela Kingaï, message à Lobby, pasteur.
lobby est la date anniversaire nanga. Donc Isaki mercredi, Isaki le 23 plutôt, le 24 na tongo de tukutani naye to sambeli na sima ya kusambela aibisinga iloko moko alobi na likisa ba anniversaire. Mais cet anniversaire est le plus beau anniversaire on a le kissa na vinanga. Je dis ah, comment ça? O le kissa anniversaire na mbeto hôpital malade, o le kissa anniversaire au fetete, au zoliate, au lobby, c'est le meilleur anniversaire na londengeni. Ah bon, ba anniversaire mususu na banda o le kissa ngona ambiance. Il y a mokili ko partager c'est ngona mokili mais anniversaire on a le kissa ngona intimité na nzambe. Yaonde na lobby ezal le meilleur anniversaire onga na likisi na vie na ngai sika wa lokola yo mosala nzambe ojo ki quantité ke zaki ba message ya suka mwa na nzambe bandai ko mwa Stéphie Malonga bandai ko pesa bon mama Fanny eza pasi na koki ko kokosa te puisque eza bloku mususu obiso wa sala nzambe tolinga ko kende au delà côté tango to bandai ko solola na nzamba soufflenga na litoité té to koki ko ko lo bloko na té tango bandaki koloba bon ngana zaki na kundima ke no sera kubika puisque nga na zaki na posa na ye na ko na zaki na posa na ye azonga kubika na ilingeke za la témoignage moko munene mais bon abandaki koloba tango azoloba ngai pe na zoloba en tout cas nzamba zolokumu puisque tout ce qui est musique, comprendre. Il faut que le témoignage soit bon. Alors que c'est l'anniversaire, il y a des salles, il y a des salles, il y a des salles, il y a des salles. Mais au anniversaire, il y a des salles qui sont en hôpital, il y a des salles, c'est l'un des meilleurs anniversaires. Donc, je suis allé à la maison. Mais il y a des messages. Comment que tu vois qu'il est malade, il est belle, mais c'est l'un des meilleurs anniversaires pour appliquer ça à intimité dans Zambé. Il y a un message qui est capté que ça sert à outil musique à côté de la royaume de Zambé. Et là, on a la vérité. Il y a un message qui est un message qui est un message qui est bon, certainement, il y a un message qui est mais bisonde to sosola kate pour cause la na muto azolo bana makambu ya adia zo peso au revoir mais yondo zo sosola te na sima ndeta muto tikali to vandi na bandi ko zongisa maloba nyonso ba masolo nyonso to sololi na te bana bandi ko comprendre que no nyonso wa bandaki ko bana ngai zara ki ndeba adia zo pesa ngai sika wa batu ba ba lopik Stéphie peut-être zala ki pardon je veux dire quoi Sikawa, to komina le 28 juin, mukolo o Stéphie Arandaki amnae. To zalaki parmi bato ya bengaki, parce que il paraît-il alalaki malamu mingite, a bengaki na tongo. O zalaki parmi bato yo, makutalaki nae pour la toute dernière fois. Et salama randengini. Bon, le 27, d'abord, na ozonga nan d'abord le 27, c'était le 27, naye, to kutani nae na tongo. Na zongi ndaku na butu ya kotanisa kokoma le 28 mukolo oya selina ko tika biso na ba 0h nde ba benginga tabisinga ki asali crise bon lokola ta ya kokoma bisika zalaki za makoki ya kokoma bisika zalaki te to bondela ki kaka na telephone. Et je l'avais dit que non, on a dans la tongo. Et le matin, je suis passé, na koutillé, il était un peu fatigué. Bon, c'est la première fois on a koutaki malgré que non, chaque fois on a bandaki koya, azaki malade, mais il était un peu forte. Azaki forte, des fois au moni, basimbié, afandi, abenga mutu basimbié, babungisi afandi, to sololi, mais azaki un peu forte. Mais ce jour-là, quand on a eu na tongo, je l'ai trouvé un peu faible. Azaki akulala. Bon, comme azaki faible na lobi, atika la kaka allongé. Mais juste quand elle est moninga, yemoko alingi avanda. Nabite tika la allongé. Nabite nazana posa rubanda. Moni a se soulevé yemoko afandi kolo yambetu. Mais d'habitude, bah afandi sakai. Donc
Moi-même, je me suis dit, oh gloire à Dieu, c'est que Nzamba bandiko zongi sa mutu, makasi bandiko zonga. Alors que na iba kite surprise ni nizaki na sima. To bandiko ko solo la na tunye boni aibi singa na zabi na bime. Bien lobby d'abutu, ba aibi singa osali crise. Habi ate pasteur, ça na ngoka ba tempête. Ma tempête. Bon, ils ont encore battu pète. Nde na bandi ko seka, to bandi ko seka na ye. On a partagé, to bandi ko sorola. Ebi singa ma makambo. Oh, yazaki na posa ko ebi sangai. Oh, peut-être mususu. Oh yo, panda batan yonso to zaki na ye. Atikala ko ebi sangai te. Mais ebi singa yango mukulwana to soloni to partagé. Mais loko moko na remarqué zaki ke na moment to zo sorola. Nga nde fala ki na lendi sa ye. Mais il y a des gens qui ont mis ça à l'oubaya. Donc, ça m'a beaucoup attiré, ça a attiré beaucoup mon attention. Je me suis dit, mec, qu'est-ce que ça veut dire? Comment c'est moi qui devrais la réconforter? Mais il y a des gens qui ont réconforté. Donc, il y a des gens qui ont mis ça à l'oubaya. En tout cas, place on a compris. Mais, quand on a mis ça à l'oubaya, confiance. Na telemi pete to bana osambela na tindinze mbuto bandi koyemba naye na ibise bo yokata koyemba tenga moko na zoyemba. Est-ce que tu se rappeler na nzembo? Bon, avant ezaki na d'abord na tinda ki nzembo moko yawe toyembi na ibise katanga moko na oyemba metan to zoyemba na zoyemba après na yoki azobele la petit frère naye. Frère Glody abengi nde na kati nzembo. Tant frère Glody akoti bisika to zalaki a ibise Simbanga na olingana s'allonger puisque position na vandi na zo ka bien te nda simbie ala lisie autant ala lisie ne directement ya zo bisanga pasteur maintenant to oui kwa adorer nzambe. Donc yende mutu a changé ses prières nanga nga prière nanga zaki ya to benga na mulimo maladie ya liwa mais ya zo bisanga pasteur to koki kwa adorer nzambe abi hambo. OK, nde na tindi cantique mususu na changer maintenant cantique maintenant bosu ezala ki yawe be maintenant na tindi Yesu ndeko na bolingo nde to bandi ko yemba Yesu ndeko na bolingo pendant quelques minutes après to koti na prière wa sambeli to adorer nzambe. Donc elle a adoré Dieu avec moi ensemble, tous deux nous avons adoré Dieu ensemble. Abissi, ça va, courage, je peux faire Nzambe confiance, mais elle me dit, pasteur, Nazan a confiance en Nzambe totalement, à 100%. Je dis, waouh, à gloire à Dieu, boutique à la malam. Tant que je suis en avant, dans le salon, elle me dit, pasteur, ne partez pas, patientez-moi quelques minutes. Après, je suis en petit frère, je suis grand frère, je suis en train de faire un bon pasteur. Moi je dis, mais sœur, toi tu es malade. Mbongo ba pesa nga yokuzwa yango api. Yokuzwa mbongo api ba pesa nga nga inde futuna fona memela yo. Il a tellement insisté ce jour-là que je n'avais jamais vu une telle insistance. Et mais qu'on dit ma de na moni a jumbo wa pesi grande sœur na yo ko pesa nga osti fi mpatinte. Je dis, bon, ça va. Nzamba azwa lokon. Et c'est comme ça que je suis parti. Et tant on a accueilli, quelques minutes après, de na petit frère na bengai qui a tiki biso na basi constance a tiki la biso. Et salut le lengeni par rapport à ministère na yo. Bon, par rapport à mon ministère, j'ai tiré vraiment des leçons. La première leçon que j'ai tirée dans mon ministère, c'est que parcours na biso na se ya mwese na se ya mukili. La plus meilleure des choses au Essengeli biso bana na nzambe ko sa des ande ko pesa ko offrir bo moyo na biso e pa na nzambe. C'est ça la première leçon que j'ai tiré par rapport ya rencontre au Bakamnyos tukutani na nguna se Stephie ko na Monique no na lolenge o ya zalaki catholique ko koma na église bisikana zalaki andima ko changer ndenga changer kiwana e changement na ezala ki brusque et total. Donc ezate ke no mutu a bongoli ndeka ka makolo te ya bongola ki vraiment motema puisque ezana ba se mususu ba bongola ka na bango ka makolo mais ya bongola ki motema
autant on a le bien bon la makolo retourne à mes pasteurs ma bon on comprend bikenda kenda ah donc il y a bongoli ka makolo makolo ikota kana boîte na bar wana nda bongoli kenda kana ngoko comme au kende église mais motema tikali na ngoko na mais ce qu'il y a à bongola ki na makolo na motema donc nde loko ya mutu ya o d'abord na retena ki loko la leçon ya mi baleza ke na ba circonstances nyonso ndenge bible lobaka ke to ba okumisa ye nde yesu ko ansenya kinga na tao ya pasiona na moment o biso tozo yo kama wa meya zo ebisanga to adore nde nzambe donc j'ai compris que non quel que soit les moments les conditions les circonstances na sento benga mi to adora ka to kumisa nzambe na ba moment nyonso to Tokoki koloba que asala ki action aranda ki action de grâce et pas nzambe après adoration dès qu'on reconnaître nzambe ndenga pam a tambusa ki peut-être na motemwa za ki na ngoya ko sentir ki azo ke nebisika ya kimia ndé asala ki action de grâce na epa inayo voilà en tout cas ndé eloko oyo na ya ki ko comprendre que non mbongo oyo banda ki ko insister na zoa c'était une action de grâce que moi je ne savais pas. C'était une action de grâce au Père Sabi que nos Seigneurs, je te rends grâce puisque tu, dans mon parcours, na linga kina kende sans que nous n'ayez bayo pour aller brûler peut-être en affaire un jour. Mais maintenant, nazo kende na kimia nazo na assurance ya bisika nazo kende kopema. Maintenant, voilà mon action de grâce. Et cette action de grâce, à peine on a moment nini, c'est juste après l'adoration. Donc vous comprenez que non, et ça na entre l'adoration et l'action de grâce. Donc c'était quelqu'un qui avait vraiment compris les Écritures. Voilà une très grande et une très belle leçon que j'ai retenue d'elle. Donc comme on a souka, à appeler au cola, balobi, pasteur vous a rabattu révélation par rapport à Yesika Baké Kotikae, bâti qui est dans un cimetière moderne où ils allaient chemin du paradis. Ils allaient qui vraiment puis ceux qui bâtissaient. Bon, ma sœur, problème, il y a bisika bâti à Kabiso et qui pacaté. Pour n'importe qui, puisque tant on monte à Kofi, à Kéi, Kopema. Oh, et si quelqu'un est en angou poso, bas ça la cana y angou nion so va koki kosala. Ils ont mis sous bas kunda kabango, te bas tumba kabango. Donc, ata bâti nga ici kani ni ata bâti ici kani ni. Ils ont angou na poti na te ya monte ya ils a que non. Ye âme na ye, ezali kopema na ndako ya tata, ne loko ya motuya. Eza esika o batye yo wana te, chemin du paradis. Bon, na lira okota ya polémique ba kombo. Eza polémique te. Polémique, ba polémique ya ba kombo. Polémique ya ba kombo, chemin du paradis, entre terre et ciel, bon, je ne sais pas. Te wana ya polémique ya ba kombo, mais ya motuya eza keno. Amenaye puisque o yefandi wana eza Stéphie te o yakekuna o batye wana eza Stéphie te Stéphie ezande am o nzamba zwaki a récupéra ki o nzamba récupéra j'ai failli oublier quelque chose de très important eza quelques jours avant donc 24 heures avant li wana ye il y a d'abord la vision ya elle était habillée en robe blanche. Donc vous voyez que non, nous sommes déjà nzamba banda ki ko bongisa. On la voyait déjà habillée en robe blanche, en train de partir. Donc c'est pas donné à n'importe qui. Avant Liwa Nayo Bamono habillé en blanc, c'est pas donné à n'importe qui. Donc c'est déjà où ils arrivent côté ça que nous tenzamba ça zoaki musali naie. Oh nous to tikala ki na yongo mukolwa na tozo sala team kolo ya kufi. Ezaki na ngo kaka poso kaka nzoto nyango nde bakenda ko déposer ce qui na cimetière au Yomoko Tangi Kombo. Quelques jours avant à Kende, à Tikala Kolo Tabando de Bele, à Fani Nazo Tambola, Nazane Sengo, tout ça là. Gloire à l'éternel. Départ, il y a Stéphie à qui jeune. Est-ce qu'ils ont volonté à Nzambe, c'est l'encadrement Nayo? Oh oui. Parce que Batubazo Lobaye, elle était trop jeune. Mais mon cas Nzambe Mutakangango, Azate. Alors comme Ozala qui moto ya souka, Oyokutala qui naye par rapport à un moment d'encadrement au passé naye, on peut dire que c'est la volonté de Dieu. Oui, je réponds oui avec détermination et avec assurance. Pourquoi je dis oui? Puisque tu comprends que na musala na Nzambe, toza kana des volontés. Il y a la volonté parfaite et la volonté permissive.
volonté permissive na mo na circonstance soit na nzamba tali que non en tout cas na lo linga zonyo kwama esengelika na longula e pona tika e boete po azonyo kola batu ole batu banyo kwama nga na longula e kaka wane za volonté permissive donc nzamba permettre yango kaka malgré que no yemo kwa sepelite mais na liwa ya ser Stéphie, c'est la volonté parfaite, je l'ai dit, volonté parfaite, puisque avant Yakoufa, il y avait d'abord quelques événements. Oui, Bakina Koulanissama. D'abord, je n'avais jamais connu Stéphie prophétesse. Natikala koyeba Stéphie prophétesse, c'était. Natikala koyoka ya ebisinga te que nos pasteurs na moni ou bien na loti. Non. Mais Stéphie, a komaki kolota makasi. Non seulement zolota, mais comment qu'il m'aime koloba, prophétiser azo bimisa pe malobezo yokana, azo pe azo lobazo makambazo lobezo tomber juste, azo kende ni à gauche ni à droite tete. Donc à ce moment-là, on ne parlait plus avec Stéphie physique corps, mais on parlait avec Stéphie spirituel, puisque c'était déjà la volonté parfaite de Dieu. Dieu en avait déjà décidé ainsi. Donc qu'on arrête de dire oh, Ake est trop jeune. Oui, trop jeune. Est-ce que nani ban bon parce qu'il soit trop dit Ake est trop jeune et bongo ba bébé c'est quoi tokolobanine. Ce qui est la volonté en Zambe tokumi saka kanzambe. Parce que moi je dis que mutu ya mukili c'est d'ailleurs biblique. Ce qui Nzambe a décidé te mutu ya mukili akoki koloba oui te bisika Nzambe lobi non. Muto bisika nzamba lobi non muto mokili akoki koloba wite joba zoloba ete atana nzoto na ngai sili na komi mikuwa ya ngai ya nzu ya kati bimili banda mais aussi longtemps que mon rédempteur est vivant il se lèvera le dernier. Donc ça c'est la volonté de Dieu. Lorsque Dieu décide, il est le dernier à décider dans le dernier moment. Donc muto mo wako contredire en ngozate toti ka amia c'est bon. OK. Voilà, tu es un bac qui pour la bino pasteur Marc Tumba, Azali Moko et avant 4 heures et à Stéphie, où il a accompagné Tina dernière journée à Moutina Stenamoy. Alors, tu comme une souka, tu moni awa nakati arola, tu moni Jean 17, 24. Iskaba lobi père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Nini okwe koloba na kata tempo. En tout cas, ces versets, ce sont les dernières paroles du Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'était une prière. Oh. Oui, c'était une prière qu'il adressait à son Père. Puisque après avoir accompli le travail sur la terre, maintenant il fallait qu'il rende compte à celui qu'il avait envoyé en tant que fils. Il a commencé à rendre compte à son père. Si vous remontez, il dit tout ce que tu m'as donné, je les ai bien gardés, sauf l'enfant de la personne qu'on connaît. C'est après qu'il fait cette prière, il dit que là où je suis, je veux que ce que toi tu m'as donné, que ces gens-là soient aussi là où moi je serai. Qu'ils voient la gloire que toi, Dieu, tu m'as donnée. Donc, c'est le temps où les enfants de Dieu, comme la sœur Stéphie, la gloire, à ce moment ici, à Zan Katia gloire, il y a Nzambe, il y a comment la gloire, il y a Nzambe, il y a toi adorer Nzambe. L'adoration, c'est ça, celle qui attire même la gloire de Dieu. Puisque c'est là même qu'il y a le même mystère. Les grands mystères se cachent dans l'adoration. C'est ça même ces dernières paroles de Jésus. Donc Jésus est en train de rendre gloire à son Père et de rendre aussi compte de tout le travail qu'il a fait sur la terre. En même temps, la sœur aussi est en train de se dire aussi, je vais partir maintenant, je vais rendre rond ensemble avec le pasteur. Donc cette prière de Jésus coïncide. Oui. Donc les paroles, cette prière de Jésus, et les paroles de la sœur, les dernières paroles que moi je dirais, tout un testament. Tout à fait. Ah oui, donc, raison pour laquelle on vous offre cette émission. Oui. Donc, les dernières paroles de Jésus, la prière qu'il fait, et les paroles de la sœur aussi, c'était aussi un testament
wazala ki kolege na bana na nzambe. Donc na moment où je suis sûr qu'elle partage la gloire avec son père. Amen. Alors au cours yeb sabiso te makambo pour partager qui quelques heures avant sa mort, parce que ngape nazali moko ya bato basola ki nae na tongo wana azaki toujours na sengo alobi ya fani naza bien. Donc côté nayo nini bosola ki ko partager na bande ko batale bande ko bo ba excuse nga vraiment, puisque là on appelle ça la confession, toko ki jamais ko révéler nazalaka contre ya ba pasteur o ba bimisaka ba témoignage ya bana na nzambe likolo ya chair ou bien liboso ya bato côté na solo la ki na sœur moko na kutana ki na mama moko papa moko nazalaka contre ba pasteur wana na lolenge ya mabete, mais ezali contre déontologie ya musala na nzambe. Donc ce qui na solo na mwana na nzambe na koki jamais ko ya ko bimisa témoignage ya makambo o ya ebisingai na liboso ya bato wana za secret ya pasteur. Oui, loko nini bosola ki nae ko ipe ko conscientiser bato. Non, ya ko préparer vie na biso. Ya motuya ezali ke na comprendre que non sera mi pesa ki e pa ya nzambe. Akoma ki mo Christ, elle était vraiment née de nouveau. C'est ça. Et loko ya motuya yangwana. Donc elle était vraiment née de nouveau. Ko bota ma vraiment ya sika o to lobaka ya o. Ezate ke no ya bakay bazindisi ou bien ba cheo mante. Ye vraiment bota ma ki ya sika. Kati na ye changement ezalaki. Nde eloko o ye ko ki ko sunga pe biso ba auto tikali. Donc to comprendre que non eza na nzela mususu te. Soki to lingi ko kende ko partager gloire oyo. Et comme ami na Jean 17 24 oyo. Esengeli kaka to eba na kolanda o Yesu azali koluma. To benga mate bana ya libungi lokola ndeko o babengi mwana libungi na kati ya Bible po nga na ibike no tant babenga ki mwana libungi na partager gloire au te, mais la sœur elle partage cette gloire avec Jésus. Donc biso pe sengeli pe to landa liloba na nzambe to kangama na nzambe to eba na ko sœur azali ko partager gloire au na mokozi na biso kolo Yesu pona nini, puisque ya ndimi ko to sa pe ko landa o Yesu alobi. Ya mutu ya ezali ndeko lelo okufa kati na Kristo. Po oyebite lobi na yo kozala ndenge nini. Donc banda kobongisa vie na yo lelo ndenge sera sale yango. Donc atikeli biso témoignage, atikeli biso nzela ya koloba ke note, malgré vi onga nazalaki na malgré onga nazalaki, mais na ndimi Kristo. Nonde loko ya mutu ya sengeli biso nyonso to landa lokolo ya ndeko na biso, puisque moi je suis sûr que elle est allée se reposer et son âme se repose en paix dans la gloire de son Père. Amen. Je remercie au pasteur Jean, au pasteur Marc Toumba, Nandenge Ozalaki Moto Yasuka, Yakokuta Nanande Konabisto, Stéphie Malonga, Yangoana, Tofririe, émission Oyona Vision Télévision FM. On a unité pour a expliquer biso baso la kinini nandeko ya biso ndeko na bino to lingi bino mingi botika na kimia bobongisa nzela na biso to bongisa nzela na biso pambate to za baleki nzela na sena moyi to continue ko sala bolamu na sepeli ya mingi na pesi mino bambote sika no se bozwami na pesi pe merci na pasteur Marc Toumba Lolenge ayaki awa na kati ya residence pour na koswa na biso na tina yande kolabiso Stéphie Malonga o asila biso o asila kibongo kotika biso le 28 juin dernier na lingi bino mingi botika na kimia. Au revoir.